Et on est de retour! Je sais pas si ça a bugué ou pas. Qu'est-ce que c'est? Parler à Colin et moi. Oula. Quelque chose te préoccupe? Ah oui, en fait j'ai appuyé pour démarrer l'enregistrement, J'avais mais besoin ça de quelque m'a chose. fait. En T'as un fait, problème? c'est le chargement rapide. Ok, bon, c'est pas grave, on avait enregistré. Mais oui, du coup, Moriarty, Moriarty. Mais il est bel et bien dedans, hein. L'indicateur d'objectif, c'est qu'il est dedans. Bah, bonne soirée, invoqueuse. Vous tentez quelque chose? Alors, Hein? robot, au moins, je te bloque pas à travers les portes. Perso, j'ai juste choisi. Ok. Donc, allez, Moriarty, Moriarty. Parlez à Moriarty. J'ai regardé au-dessus, mais j'ai regardé à l'étage, y a personne. Hein. Y a personne. Y a personne. C'est le gars assis au bar. Ah bon? C'était aussi simple que ça? Oui, besoin de quelque chose? Salut. Gardez donc. Si vous jouez Jericho. avec ça, on va avoir un Habitant. problème. Quels sont les besoins? Walter. J'avais envie d'un verre, vous êtes au bon Go. endroit. Mais vous avez fumé, il n'y a pas de Moriarty. Ça fait plaisir de vous voir. Vous avez quelque chose à me dire? Quelque chose te Bah non, il n'y en a préoccupe? pas. Je suis Oui. pas fou, hein. Je suis pas fou, il n'y en Votre a pas. petite mission vous pose des problèmes. Bonjour la Rodif. Louis. Ouais, malheureusement, il n'y a pas le chat sur l'écran, Vous mais... voyagez? Voilà. Oui? Si, mais il est Osef. Il est Osef? Salut Nova. Gardez donc ailleurs. Suis l'objectif. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ne me regarde pas comme ça. L'objectif, je le Y a suis. quelque chose qui Ça vous me fait atterrir préoccupe? là-dedans. Putain, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. Salut Nova. Mais il est pas dans ce bâtiment. Bah si, il est dans ce bâtiment, je comprends plus rien. Ah, il fait nuit, c'est peut-être pour ça, ouais, effectivement. Il dort peut-être. Mais même Envie d'un s'il dort, on verre, devrait le vous êtes au voir. bon endroit. Oh, il fait son inventaire. Il n'y a pas grand-chose à compter en même temps là, regardez. Alors, est-ce que j'ai bien... Alors, deux flasques, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous regardez, jeune homme? Mais qu'est-ce que vous regardez, Ne jeune me homme? Je regarde pas cherche comme ça. Moriarty. Dites-moi où il est. Parlez ou tirez-vous d'ici. Parler du remake du Skyrim qui était Toi. aux... Ah oui, on parlait du remake, ok. Oh, salut. Il doit être en dessous ou au-dessus à pioncer. Assis-toi et attends avec tes... Mais ok, je vais Salut. attendre, mais... Z, ok. Voilà. Ah, ça doit être lui. Ah, je sens que c'est lui. Oui! Nolan Moriarty, à votre service. À votre Bienvenue chez service. Moriarty, mon saloon, ma maison, mon petit bout de paradis dans cette bourgade reculée. Si tu as des capsules, j'ai de quoi te distraire. Allez, assieds-toi, mets-toi à l'aise et oublie tes soucis. Et oublie tes soucis, pas de soucis. Je cherche mon père. J'ai Mon posé cette Dieu, question tellement de fois. c'est toi. Ce petit bébé a bien grandi, comme du chien-dent, hein? Eh bien, on peut dire que Il me ça date connaît? pas d'hier. Oh, ton père est passé ici, c'est vrai, mais il est reparti. Il a trouvé ce qu'il voulait et Bonne nuit, Cao Cao. il va faire la même chose, pas vrai? À 2 heures du mat, il avait d'autres choses à foutre. Alors, hein, mon père et moi sommes nés dans l'abri 120. Ton père t'a dit ça? Bah oui, il m'a Que dit tu ça. étais né dans ce trou? Que lui était né dans ce trou? Ah, les mensonges qu'on raconte à ceux qu'on aime. Ton père est venu dans l'abri avec toi après ta naissance, pour te mettre en sûreté, tu vois. M'en souviens, tu as séjourné ici après tout. C'est vrai, ton père, son ami de la confrérie de l'acier, et toi, un bébé sans sein à téter. Ah bon. Désolé pour ta mère, vraiment. Mais la vie continue. Papa a menti, la vie est pleine de petites déceptions. Et maintenant, tu es adulte et tu te demandes où il est passé.
Alors, mon père a dit qu'il était né, ça je viens de le dire. C'est faux, mon père n'aurait jamais menti, bah si. Et vous mentez. Mais c'est compréhensif, il dit que c'est ça. Mon père a dit qu'il était né. C'est n'importe quoi, attends. Ouais, voilà. Je vois. Et je suis au courant du lavage de cerveau qu'on pratique là-bas. Par un type qui s'est échappé il y a quoi? Oh, 5 ans. Vie Salut de Valentin. superviseur. Nous sommes nés dans l'abri, nous mourrons dans l'abri. Et toutes les conneries du genre. Eh, hey, tu es une meilleure Il y a de la programmation que grêle qui l'adjoint tombe chez moi Weld. là. Alors mets-toi au parfum. T'as pas envie. On profite de Bonne toi, nuit, hein. monsieur Crocodile. Alors. Oh putain. J'espère qu'il va pas avoir d'orage. Enfin, j'aime bien les orages, mais si ça fuck tout le stream, voilà. Je plaisantais, papa parlait de vous, où est-il? Mensonge. 44%, ça se tente. Allez, je tente. Tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Alors je vais te parler franchement. Ton père est venu ici, mais il n'y est plus. Et oui, je sais où il est parti. Salut, Feed. Mais ce que tu veux, ce sont des Winky. informations. Et ça se monnaie. Par conséquent, ça doit se vendre à un prix raisonnable. Comment définir Un conseil raisonnable? musical, Disons une 100 pédale à capsules et je conseiller. te dis où est ton Ah, je sais père. pas, ça dépend ce que tu veux. Alors, je n'ai. Il veut de l'argent. Putain, non merci, je trouverai de mon côté. 100 capsules, ça va pas. Je n'ai pas autant d'argent. Je plaide coupable. Je vais te dire, je vais t'aider. Au nom du bon vieux temps. Si tu n'as pas assez de capsules pour payer ces informations, tu pourrais me rendre un petit service. Bien sûr, n'importe quoi pour avoir l'info. Alors, vous voulez que je fasse votre sale boulot, c'est ça, hein? Pas question, Moriarty. Pas de service. Je veux dire ça. Qui a parlé de sale boulot? Tu as besoin de capsules et je t'indique le moyen d'en trouver. C'est du business, c'est tout. Cette salope de junkie appelée Silver m'a emprunté pas mal de capsules. Elle a dit qu'elle pouvait m'approvisionner en jet et en psycho à un bon prix. Le problème, c'est qu'elle s'est tirée avec le stock à Springvale pour se percher À aussi haut qu'un lion. Springvale! J'ai encore les Waouh! capsules qu'elle me doit à J'adore ce nom de garder. ville, je sais pas De toute pourquoi. manière, tu me paieras avec. Vous pouvez me dire où est mon père en ce moment? Les informations sur la région. Il y a trop de choses à dire là, je m'en fous. Je tiens un saloon. Alors les rumeurs, ça Salut compte Martin! pas. Je vais te raconter celle-là gratis. Je ne sais pas si tu l'as rencontrée, mais Lucy West, la mignonne, elle a peur. De quoi, de qui, j'en sais rien. Mais on sent qu'elle a peur. D'accord. Quelques capsules pour toutes ces informations. Réfléchis. Ok. Ah merde, attends. Où est ma liste d'objectifs? Que je m'en mêle pas les pinceaux là. Non. Où est-ce que c'est? Bonne soirée, Raphaël. Salut, Evan Blast. Bonne soirée. Je vais baisser un petit peu la luminosité maintenant qu'il fait plus nuit. Donner égale quête. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Donner. Ah voilà. Quête. Y a pas un classement pour voir les quêtes principales et les quêtes annexes. Tu l'as modé, Veil? Un petit peu. Mais j'arrive pas à mettre le mode des textures. Veil, t'as été jeté un coup d'œil à. J'ai été. Non, t'as été jeté un coup d'œil à la chaîne NCH Production. Ou t'y as pas pensé? Oh, j'ai pas pensé du tout. Pourquoi il fallait que je regarde? J'ai peut-être pas compris. C'est quoi déjà cette chaîne-là?
Si j'y pense pas, envoie-moi, je sais pas si t'as, si tu m'as sur Steam ou pas, mais envoie-moi un message. Je trouve pas de grosses différences les graphismes avec le Fallout 4. Ouais. Je pense que entre un, à part peut-être pour les personnages, mais entre un, entre un Fallout 3 bien modé et un Fallout 4 pas modé du tout. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Mais après, si tu modes bien Fallout 4 derrière, je pense que là, on voit quand même une bonne différence graphique entre les deux. Faut pas déconner non plus. Ok, marchons sur ses pas et la quête principale. Alors du coup, que je sache ce qu'il faut faire. Alors, optionnel, c'est quoi l'optionnel? S'occuper de Silver à Springvale. Springvale. Spring. Bon, tout le monde a compris, on s'en fout. Bah, j'ai envie de. Ouais, ok. Ok, on va faire ça. Je vais suivre l'indicateur d'objectif, on verra. Oh, c'est joli! Bon, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Vous voyagez? Oui. Je vous reconnais pas. Vous venez d'arriver en ville? Une chaîne qui fait de l'animation sur Monster Hunter bien sympa et marrant. Ah, ok! Ah, oui, on voit. Spring Mystery. Elle est pas mal. Dommage quand même qu'il faille modder les jeux Bethesda pour rendre un minimum jouable. Ah, de quoi? Un minimum jouable? Ça veut dire que si tu modes pas les jeux Bethesda, pour toi, le gameplay n'est pas jouable? Mais ça change rien au gameplay, les mods. C'est surtout graphique. Et puis ils sont jouables. Ça ne vous regarde pas, peut-être? J'espère que par quelque chose à faire, vous voulez dire un travail. Sinon, c'est Nova qu'il faut aller voir. Je cherche quelqu'un pour aller porter quelque chose. Ok, je serai sympa avec elle. On me dit d'être sympa avec elle, alors oui. Bien sûr, pourquoi pas? J'aimerais que vous alliez porter ce message à ma Les bugs rendent les jeux à jouer. Ah, ok. Bon, après, les bugs, il n'y en a pas tant que ça. Je sais qu'on dit bug testa. Vous serez là-bas. Allez voir des mais. Ça va. Moi, j'ai fait Skyrim sur Xbox 360. Aucun problème, le truc. Perso, je mode jamais les graphismes au CF, c'est je touche juste au gameplay. Ah bon? Ah bon? Bah, tu vois, moi, c'est le contraire. Je préfère. Ga Oups. Je préfère garder le gameplay du jeu, pas trop y toucher, pour vraiment respecter ce qu'ils ont voulu nous donner en expérience de jeu au niveau au terme de gameplay. Mais par contre, ça me dérange pas du tout de modder les graphismes pour avoir des meilleures textures ou des meilleures lumières. Ça me dérange pas du tout. Bien sûr, c'est la moindre des choses puisque vous me rendez ce service. Je parlais pas du gameplay, mais qu'il manque beaucoup au niveau des graphismes et des bugs. Ah oui, mais en même temps, tu dis pour que ça soit jouable. Pour moi, jouable, c'est quand tu joues, le gameplay. J'aimerais savoir autre chose. Êtes-vous célibataire? Non, pas vraiment. Peut-être que mes lettres n'arrivent pas, tout simplement. Ils seront ravis de vous voir apporter des nouvelles. Comment on fait pour quitter? Ok. Ok, je ferais mieux d'y aller. Okay. C'est vachement beau, hein. En fait. Je savais pas qu'il était aussi beau que ça, Fallout 3. Enfin, là, j'ai mis quelques petits mods du coup. Je touche pas au graphisme, c'est juste parce que j'ai un PC de prolo. Ah oui, ok. Moi j'aime bien la tessalation. Merci Bethesda pour les mods sur console. Si tu veux draguer, Veil, faut que tu joues à Fallout 4. Tu peux même avoir des relations robosexuelles. Wouah, ça te déglingue. Ah, moi je l'aime bien Fallout 4, je l'avais commencé, il est très très bien. What the fuck, qu'est-ce qu'il dit? Alors, on va suivre la petite objectif, hein, parce qu'on est qu'à... Ouh, les frises. Qu'est-ce que tu vas faire? Payer quelques capsules pour savoir où est passé ton père ou... Les terres désolées peuvent se montrer... T'as des problèmes de mémoire. On n'a rien pour rien. Alors apporte-moi 300 capsules et...
Ah non, 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 je t'ai fait une offre à 100 capsules, tu l'as refusée. Oh la, la, la vieille pute. Alors que la vie de ton père est peut-être en jeu. D'accord. Oh, allez. Vous devez faire une belle bande de pigeons dans l'abri pour que tu aies pu croire que je tomberais dans le panneau. Veil, tu feras exploser Mégaton. Bah, on me dit de le faire, du coup, je le ferai. Dans Mass Effect, tu peux avoir tout ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Au niveau de la drague, c'est vrai. C'est pas un des mineurs comme un jeu, pardon. Alors, c'est quoi cette histoire à propos machin truc, ça, on s'en fout. J'attends donc, j'ai combien? J'ai combien de capsules? J'ai zéro capsule! Oh yeah! Ok. Je vais aller à l'autre indicateur d'objectif. Bah, il faut se faire un peu d'argent, hein. Du coup, il faut faire des quêtes. En même temps, c'est normal, on peut pas tracer la quête principale comme ça. Voilà, c'est logique. Et il faut que je descende. Bonjour, oh du Fallout 3. Salut méchant loup. Et le début est génial, après quand tu commences à avancer, tu te rends compte que les quêtes et l'histoire est moins prenante que ce que tu imaginais, mais bon, je l'apprécie quand même. Là, tu parlais du 4, Fallout 4. Je fais quelques quêtes secondaires, c'est intéressant au niveau de l'histoire et tu vas pouvoir vendre ce que tu récoltes. Ah oui, je dois faire ça, ok. Tu tes capsules, prostitue-toi. On peut le faire. Je sais déjà même pas comment on descend. Je suis passé comme ça. Voilà. Parce que j'ai un deuxième indicateur d'objectif, je crois que c'est le truc optionnel de la quête. Putain, c'est quand même chelou ce truc. Ah, il faut sortir de la ville peut-être. Ça fait bizarre d'avoir un jeu où on peut plus sprinter. On a l'habitude avec Fallout 4 et Skyrim. Vers Mégaton. J'ai juste regardé un peu mes autres quêtes pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire ici. Alors, équiper la bombe automatique de Mégaton en vue. Je vais le faire exploser. Ok, ça c'est pour exploser Mégaton. On va peut-être pas le faire tout de suite. Un signal radio. Étrange signal radio. Ok, radio encore. Enquêter sur le bateau. Bah non. Transmettre le message à Lucie. Ah tiens, je vais faire ça. Elle est où Lucie? Ah bah elle est dehors aussi. Alors, dernière nouvelle. Veil, je t'ai pas sur Steam pour t'envoyer la chaîne. Bah il suffit que tu cherches un ami Veil Mystery, tout collé. Et je t'ajouterai, puis tu m'enverras le truc. Ce live de qualité. Merci. Waouh. Putain, mais dans les anciens jeux Bethesda, regardez-moi ça. Quand on fait du diagonal, ça fait vraiment très bizarre. C'est tout à fait réaliste. Regarde cette animation. Mais c'est vachement beau. Alors, où est-ce qu'elle est, Lucie? Je me souviens même plus pourquoi on devrait lui parler. J'écoute rien. C'est hallucinant. Je vais rebaisser un petit peu quand même. La patinoire, c'est exactement ça. Et maintenant, une de mes devises pleine d'inspiration. Oh, Bender, c'est toi ? John Henry Eden. Droit vers votre cœur. C'est la voix de Bender.
Je sais pas si vous entendez, le son est peut-être un peu faible. Faire des déplacements réalistes en 2017. En 2007. Mais enfin, Jérôme. Ça dépasserait l'entendement. Ah, c'est quand même bien les jeux Bethesda comme ça, où t'as la petite musique douce et tu t'es complètement lâché dans la nature, dans un espace immense. Ah, ça j'aime bien, moi j'aime bien. C'est vraiment un truc que j'aime bien, moi. Vivement un prochain Elder Scrolls. Oh putain. Vivement. Moi j'y vais, je vais sacrifier des chèvres. Ah, bah bonne soirée à toi, Louis Pasternicki. Waouh, il y a des ennemis là, je crois. Je vais m'équiper du pistolet, hein. On sait jamais s'il faut. C'est qui? Apparemment, il y a des ennemis, mais je vois pas. Bon, on s'en fout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On s'en fout. Si tu cherches une bonne arme, je te conseille de trouver une carabine, coup par coup. Elles sont topissimes, d'accord. J'espère que le prochain Elder Scrolls se passera en Eldwerir, la province d'origine des Khajiits, parce que je les adore. Ah, à mon avis, ils vont pas le faire parce que c'est trop compliqué à prononcer. Salut, Roub. Oh, ça vient d'où ça? C'est quoi? Ah, c'est à distance qu'il est en train de me mitrailler là. Ah voilà. Bienvenue au système de visée assistée. Le SVAV indique vos chances de toucher l'adversaire ainsi que l'état de chaque partie du corps. Ok. Attaque cible, annulation d'attaque. Ok. Bah hop, hop, hop et re-hop. Accepté. Waouh. C'est photoréaliste. Ah, live Skyrim, ouais. Oh, j'ai essayé, ça a jamais marché. Bon. J'espère que le prochain Elder Scrolls ne sortira pas avant que j'ai un bon PC. Ouais. Je te conseille de commencer à économiser dès maintenant. Mais. Oh, ça ne servit à rien. Hey, c'est super chiant ces saloperies. C'est pas compliqué, c'est un jeu de mots. Elsewhere. Oh. I didn't know that. Économiser alors que la Switch sort en mars. L'industrie vidéoludique veut ma mort. Mais Elder Scrolls sortira sûrement en 2018, je pense. Du coup, t'as le temps. T'as le temps. Là, t'économises pour la Switch. Après, Noël prochain, tu demandes, je sais pas, à ta famille de te donner de la thune. Et là, c'est bon. Début 2018, t'as un bon PC. Tu pourras jouer à Elder Scrolls. C'est combien? Bon, je sais plus. Skyrim, c'était Elder Scrolls 5, c'est ça, non? Va visiter les ruines pour looter le meilleur stuff. Du meilleur stuff. Ok. Et pouvoir en revendre. Bon, normalement, il faut pas faire de majuscule, hein, je te préviens. Parce que bon, ça fait un peu kikou, du coup. Utilise tes balles sur des ennemis comme ça. Non, utilise pas tes balles sur des ennemis comme ça. Tu peux y aller à la batte, limite au point. Ah bon.
Ah, j'aimerais bien savoir installer le pack de textures parce que il manquerait plus que ça pour que ça soit vraiment impeccable. Wow. J'ai l'impression que c'est un peu radioactif ce truc. Du coup, voilà. Pas trop marcher dedans, mais qu'est-ce que c'est que ce... Attends, je m'équipe. Reste bien sagement en l'air en train de l'éviter. Voilà. À l'ancienne. Ratop. Putain. Tiens. Fin 2018 possible. Début 2018, j'aurai pas plus de 600 euros. Bon, c'est possible que fin 2018, ils sortent Elder Scrolls, hein, et pas avant. T'as essayé avec Nexus Mode Manager? Bah oui, je mets mes mods qu'avec Nexus Mode Manager, sinon c'est trop compliqué. Mais en fait, j'ai lu la description pour le... Sinon, vous allez sur le site Nexus Mode Manager, sur la page de Fallout 3. Vous allez dans le dossier là où il y a... Oh putain, retraite. Là où il y a le mode pour les textures. Et ils disent en dessous dans la description qu'il faut un truc, enfin qu'il faut faire un truc avant avec un autre truc, mais ça a l'air méga compliqué à mettre en putain, je crève. Et je peux pas sprinter. Je peux rien faire à part me faire dégommer là. Là par contre sort ton flingue. Bah je crois que je l'ai semé, y a plus la musique. Ouais c'est bon. Ah non. Ouah. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Je pourrais t'aider à l'installer, j'ai l'habitude de modder les jeux Bethesda. Pas de soucis, moi je veux bien de l'aide. Oh la pause. Oui, fabulous. Oh oh. Hop. Et là, il y a un dragon Skyrim qui se pointe et qui brûle le paysage. Ah, ça serait marrant, hein. Ah, je peux pas lire le chat en même temps, là. C'est horrible. What the fuck? Mais c'est quoi qu'il a, lance-flamme? Il est à l'aise. Il est à l'aise, mais comment voulez-vous que... J'ai pas le niveau. Je peux pas faire exploser en tirant sur son dos. Oh bah je suis mort. C'est bien NMC Texture Pack pour... ouais je pense que c'est ça. De toute façon il y en a qu'un qui est très téléchargé et c'est celui-là. Oh, je l'ai eu! Merde, qu'est-ce que j'ai pris? Eh non, mais c'est bon, laissez-moi tranquille un peu, quoi! Eh, mais en fait, tirer sur la tête, ça fait pas plus de dégâts? C'est bizarre. Mais, ouah! Ça vient d'où? Ça vient d'où? Ah, là-bas, ok. Non, c'est bon. C'est des snipers, les mecs, ils ont un gun comme moi. Et à genre 100 mètres de distance, ils arrivent à te viser. Normal. T'étais pas au bon endroit pour la quête, Veil. Mais c'est parce que j'en fais une autre, regarde. Je fais celle-ci. Transmettre le message à Lucie.
saloperie de putain de ce jeu salope. Alors, on peut en prendre bien le temps comme ça, oui. Ok. Ok. Oh, et c'est le one shot. Oula, oula, oula. Traverse pas la texture non plus. Hein. Tire pas sur son arme, tu la vendras moins cher. Ah bon? Oh, et c'est réaliste, dis donc. Je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça. Ok, 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 ok. Wouah! Il est jaune comme une frite. Wouah, il ressemble au chanteur de Le Proust. Oh putain, ma pauvre. Elle est chauve. Mais ça vient d'où, bordel? Ah, ok. Je vais changer. Je pense que j'ai eu des trucs, là. Arme. Dégâts 3. Oh, j'ai eu un truc pourri. Ah, 30. Ouh, ça, c'est bien, lance-flamme. Mais je vais pas l'avoir à distance avec un lance-flamme. Hein. Voilà, quoi. On est d'accord que bon... Peut-être que je peux mieux me protéger avec des choses. Armure. Non, celui-là. Oh, des lunettes. Je mets des lunettes. C'est bon, là. Oh. Attends, je lis un peu ce que vous dites. Faut faire un svev sur le, pour le réservoir pour faire exploser plus facilement. Oui, baisse ton état d'arme et du coup ça vaut moins cher. Dis donc, encore en stream à 7h, veille GG. Merci. Mais on va bientôt arrêter d'ailleurs. Tu peux arrêter les armes en combinant deux armes similaires pour augmenter l'état et donc plus des dégâts. Oh, pareil pour les armes. Putain, mais t'es. Louis, t'es vraiment une encyclopédie vivante de Fallout. Wouah! Avec les lunettes! Les mecs, regardez! Takeshi Kitano, là, il est là! Ah, il est mort. Cartouche, 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 c'est parfait. Ah, Steam Pack, parfait. Ça, je prends ça. Des petits mentos, des chiantos. Lunettes de moto, ouais, peut-être. Quitter pour me juger. Bon. Donc voilà. Il est moche ton perso. Bah non, mais tu te fous de moi. Il n'y a pas plus beau sur Terre, quoi. Je brille à la lumière. C'est voilà. J'y ai trop joué, Fallout c'est juste génial. Ouais. Beau gosse, le beau gosse de l'apocalypse. Eh oui, eh oui. Oh, le soleil. Du coup, on va aller là-bas. Hein. En essayant de pas se faire buter. Mais regardez-moi ça, le sniper. Regardez à quelle distance il est. C'est juste pas réaliste, ça, par contre. Eh oui. Mais c'est beau, bordel! Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi beau pour un jeu de 2007. Eh hey, oh lolololo. Pas encore ces saloperies, non, pitié. Mais... Il y en a partout. C'est juste horrible. Tu sais quoi sur le background de Fallout, Louis? Ça c'est une question à Louis, du coup il va répondre. Bien sûr que je me fous de toi, t'inquiète. Tu vois, voilà pourquoi j'ai envie du pack de texture. Voilà. Oh. 2007 égale Crysis. Ouais, mais bon, Crysis, il avait une avance sur son temps un peu considérable. Et il fallait une machine de guerre pour pouvoir le faire tourner. Même là, mon PC actuel ne peut pas le faire tourner à fond. Hein, vous le savez, ça.
Ah, il y a de l'eau, genre, je peux voir à peu près la, le mode que... Eh, hey, vas-y, viens, on plonge. Oui. Waouh. Ah, par contre, on voit que dalle de chez que dalle sous la flotte. Alors attends, Veil, c'est ça de tourner sous Windows 98. J'ai pas compris, je suis sur Windows 10 moi. Wow, pas mal l'effet de l'eau. Wouah! Non. Tu fais erreur, moi je voulais juste voir l'eau. Bon, j'espère qu'il va pas plus vite que moi. Elle est pas radioactive l'eau? Non, celle-là, elle a pas l'air. Pas installer le fixe pour le fond de flotte. Ah, il y a un fixe pour le fond de flotte. Bon, apparemment, c'est sur le pont qu'il faut aller. Hein, donc, j'ai fait un peu des conneries en passant par ici. Désolé. Pas mal l'effet de l'eau. C'est un fangueux. Ça Veil. J'ai pas compris. I didn't understood. En tout cas, on va bientôt s'arrêter. Hein. Je sais qu'il s'est pas passé grand-chose dans ce live de Fallout. Et j'en suis désolé. Mais en même temps, un jeu Bethesda, c'est pas un jeu qu'on speedrun. C'est un jeu où on s'imprègne de l'ambiance. C'est un jeu où on prend son temps pour faire ses choses, pour faire ses petites quêtes. Et pour mourir aussi. C'était quoi ça? Attendez, vous n'êtes pas avec eux? Vous n'êtes pas avec eux? Venez ici avant qu'ils vous voient. Venez ici avant... Putain, mais on dirait vraiment une parodie, les doublages. Les fangueux dans Fallout 4, t'en as des chiés, c'est affreux. Fangueux, créature de l'univers. Ah, tu parles de... Ah, j'avais pas compris, oui. Ouais. La bonne fête à toi, Martin. Tiens, j'ai une lettre, machin. Ah, et, putain, il commence à faire froid là dans ma chambre. Oh, la merde monte vite dans cette fosse à Purin. Et je ne crois pas pouvoir faire grand chose. Bien, au début, c'était les conneries habituelles en bande. Ils cassaient des trucs, faisaient du bruit, mais ils gardaient leur distance. Mais la dernière fois, ils sont allés trop loin. Ils ont tué le bétail. Vous savez, c'est ce qui nous permet de survivre par ici. De survivre par ici. Alors, qu'est-ce qui vous fait si peur? Pourquoi ne pas riposter? Vous avez déjà battu un? Vous êtes quoi, une lavette? Succès. Écoutez, traitez-moi de fou si vous voulez, mais il y a quelque chose de bizarre chez ces cinglés. Je veux dire, ils ont des armes et ils sont nombreux. Pourquoi ne viennent-ils pas défoncer nos portes pour nous tuer? On est vraiment mal partis et on a besoin d'aide. Eh bah oui, mon vieux! Ça coûte des capsules. Est-ce que j'ai l'air de sortir de... J'ai besoin de capsules. C'est tout juste si j'ai un pot de chambre à moi. Ah bah merde alors. Bon bah ok. Je ne veux pas quitter la rampe des yeux. On ne sait jamais quand la famille va revenir. Vous pourriez me rendre un service et aller voir chez les autres. Vous savez, pour s'assurer qu'ils vont bien. Allez voir David West, Karen Shenzi et Ken Ewers. Ok. Je ne peux pas le prendre. Je crois qu'ils vivent à l'est ou au nord-est d'ici. Difficile de dire où ils vont. Ils se promènent toujours la nuit. Il y a des tas d'endroits où ils pourraient se cacher. Elle me dit quelque chose, cette voix-là, mais... Le vieux cinéma Moonbeam ou la station de métro Northwest Cineca. Genre dans les Simpsons ou un truc comme ça. Fais attention, j'ai la détente qui me démange. Ah, il me démange. Bon, ben, c'est ici qu'on va arrêter le live, je pense. Du coup, désolé d'avoir eu tous ces problèmes
de live pour Alien versus Predator. Du coup, ça n'a pas marché. On a essayé, ça n'a pas marché. On s'est rabattu sur Fallout 3. C'est pas plus mal, hein, il est bien. Oula, c'est dangereux. Et c'est sur ce magnifique paysage, sur ce crépuscule, que moi je vais vous dire bye bye. Hein, et on se retrouve la prochaine fois pour Dark Souls. Ah yeah, ça j'aime bien ça. Ça c'est bien. Allez, bonne soirée. Merci à tous d'être venus, ça fait toujours plaisir. Donc à la prochaine. Oui, à la prochaine.